Bon matin à toutes et tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour entamer une nouvelle semaine et nous entamons le mois de juillet. Nous sommes lundi 1er juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Alors, pour celles et ceux qui sont en vacances au mois de juillet, je vous souhaite d'ores et déjà de magnifiques vacances. Eh bien, pour commencer cette semaine, toujours cette petite philosophie du matin, n'est-ce pas? Ce sont les pensées positives pour être heureux tous les jours. Et ici, j'ai pris pour cette semaine l'oracle de l'intuition et de l'action. Et je terminerai par la pensée positive. Petite philosophie du matin de ce 1er juillet 2024, le bon moment. Parfois, on ne sait même plus pourquoi on boude ou après quoi on est en colère. C'est qu'il est temps de retrouver le sourire. Belle philosophie, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé dans ce bel oracle de l'intuition et de l'action. J'ai pigé le courage d'oser. Ah, le courage d'oser, c'est aussi peut-être sortir de sa zone de confort. Et en fait, tout au long de notre vie, nous avons eu des défis à relever. Chaque fois, nous avons été en mesure de le faire parce que même dans les moments de doute, nous avons toujours eu une petite voix intérieure qui nous donnait, eh bien, cette force, n'est-ce pas, qu'est la conviction. Honorez le fait que vous êtes une conquérante ou un conquérant, une force de la nature. Vous possédez une multitude de ressources intérieures et extérieures, vous permettant ainsi de continuer à aller de l'avant avec grande confiance, n'est-ce pas? Eh bien, cet oracle que j'ai pris pour commencer le mois, il va vous inviter à embrasser davantage votre état d'esprit de guerrier, de guerrière de lumière. Alors, ayez le courage d'exprimer vraiment votre vision. Ayez le courage d'exprimer vos pensées, vos désirs, vos attentes ou vos émotions. Ayez le courage, eh bien, de révéler qui vous êtes vraiment ou qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. Il est grand temps de vous libérer des règles établies et des qu'en dira-t-on. Oui, il est grand temps, afin d'avoir, eh bien, ce courage de créer la vie qui vous rend heureux, heureuse. Il est grand temps que vous vous permettiez de sortir, eh bien, régulièrement de votre zone de confort afin, tout simplement, de vivre plus de nouvelles expériences au quotidien. Eh bien, aujourd'hui, c'est un bon moyen pour développer votre courage d'oser. Rituel du courage d'oser. Déterminez à travers vos expériences passées, eh bien, quelle est la plus grande force intérieure qui vous a toujours permis d'oser et d'utiliser et utilisez-la chaque fois que vous avez besoin de courage. Et pourquoi pas de terminer chaque phrase « si j'avais le courage lorsque je »
pam, 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 je me sentirai plus pam, 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 pam. Pour être courageux, courageuse, eh bien, vous devez être vous-même. Même dans un monde qui vous demande parfois d'être quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vous. Donc, restez vous-même. Ça aussi, c'est très, 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 très important. Quel beau message, je trouve, pour commencer ce mois de juillet. Le courage d'oser. Et oui, parce que nous avons tellement peur, n'est-ce pas, de sortir de notre zone de confort. Nous avons tellement peur de dire ce que nous ressentons, de dire nos pensées, de dire ce que nous aimerions. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est le moment, c'est le bon jour, présentement. Voilà pour le message de l'oracle. Et je termine avec la pensée positive. Et aujourd'hui, j'ai pigé « Je suis en harmonie avec mon témoin intérieur ». Mon témoin intérieur m'aide à demeurer centré, ancré et calme. Il veille sur moi. Waouh, quelle belle pensée positive, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain avec un nouveau message, et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse tout fort. À demain.